C'est la toute première depuis sa brillante élection à la présidentielle de mars 2021. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est arrivé cet après-midi à Pointe-Noire pour un séjour de travail de 72 heures. Il a été accueilli avec faste à l'aéroport international à Gosin. On est au suivi. Aéroport international Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire, l'euphorie est totale. Les Ponténégrins y sont pour accueillir une personnalité, pas la moindre. Il s'agit de celui qui incarne toute la République, mieux le premier citoyen congolais. Sur le tarmac, les officiels y sont aussi. Autorité interdépartementale Pointe-Noire-Kwilu, les membres du gouvernement, les parlementaires. Bientôt, le flacon présidentiel va s'immobiliser. Denis Sassou Nguesso est bel et bien là, accompagné de sa cote chère. Dès sa sortie des locaux de l'aéroport, le couple présidentiel est accueilli en champion du monde. C'est un accueil plus qu'enthousiaste que les populations de Pointe-Noire et du Kwilu ont réservé au président de la République et son épouse pour un séjour de travail dans le département de Pointe-Noire pendant 72 heures.